Ouais, je m'y attendais pas vraiment. C'est vrai que ça fait plaisir d'être une deuxième année consécutive. C'est d'autant plus gratifiant parce que c'est les gardiens qui ont voté. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et puis, avec ce trophée à la clé, c'est une récompense personnelle. Mais j'oublie pas tous mes coéquipiers de Chambly. Et voilà, c'est aussi une récompense collective. Aujourd'hui, je joue. Je joue et c'est le plus important. Et je me rends compte que de jouer, c'est primordial, surtout pour un gardien à ce poste-là, c'est très important. Puis aujourd'hui, je suis épanoui, je suis heureux, aussi bien dans la vie privée que dans le football. Donc voilà, je suis dans un club qui est très familial et ça, c'est très important. On manque de rien, on grandit petit à petit avec nos moyens et voilà, on a un groupe de qualité. On est certes dans des infrastructures compliquées, mais on grandit petit à petit et c'est un club qui est encore jeune, avec de l'ambition, et j'espère que je participerai à tout ça. On va pas se prononcer tout de suite, on va tâcher de faire une bonne semaine et surtout de bien finir chez nous à domicile et de remercier tous nos supporters parce que certes c'est un petit stade, le stade des Marais, mais qui est très convivial et très chaleureux. Les personnes sont proches de nous et voilà, si on fait un bon match, qu'on arrive à l'emporter, on se penchera peut-être sur les résultats. Mais bon, ça risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera malentendu, pourquoi pas, mais ça risque d'être compliqué quand même.